Les entretiens secrets vous présentent Yalis, le petit faune aux yeux bleus, d'Albert Samon. Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement et lus par Mojoun. C'était un petit faune, né dans les bois de Mycalaise, battu par les vents du commerce d'un égipan et d'une mortelle. Des particularités légères encore dénonçaient la double essence qu'il portait en lui. Il n'avait point la force tumultueuse et violente des dieux des forêts, mais ses membres délicats étaient plus dégagés de la gaine animale. Un poil moins rude et moins touffu couvrait ses cuisses. Ses oreilles aiguës, ses narines fines, frémissaient continuellement aux choses. Il avait des gestes jolis. Quand il souriait, ses joues se creusaient légèrement, et l'ingénuité de son visage était alors ravissante. Mais ce qui excitait délicieusement la surprise, c'était des grands yeux de couleur cérulène, bleus comme le ciel et la mer, et qui promenaient lentement autour d'eux des regards étonnés, doux et lointains, comme les rayons de la première étoile qui brille à l'Orient quand le soleil n'est pas encore couché. Élevé par les nymphes des bois sacrés qui lui donnèrent le doux nom d'Yalis, il ne se mêla point aux jeunes chèvres-pieds de son âge. Leurs ébats turbulents lui déplaisaient, et il préférait être seul. Alors, il inventait des plaisirs plus conformes à sa nature et laissait errer parmi les plantes et les bêtes ses curiosités vagabondes. Déjà, d'obscurs pressentiments s'éveillaient en lui. Et devant ces visages solennels du monde, la nuit, la solitude ou le silence, un émoi vague le saisissait. Et une petite âme indécise montait dans l'opale de ses yeux. Sans cesse, il variait ses jeux. Tantôt, couché à plat ventre dans l'herbe des clairières, il s'amusait à voir des petits insectes sortir de terre, courir très vite, monter et descendre au long des brins frêles, s'aventurer dans le calice d'une fleur, se suspendre au bout d'un fil invisible. Tantôt, penché sur une rivière aux claires ondes, il contemplait le manège indolent ou brusque des poissons vite effarés. Tantôt, ayant capturé quelques beaux papillons, il le posait sur le dos de sa main et regardait avec ravissement les grandes ailes précieuses palpiter lentement au soleil. Ou bien, choisissant quelques coquillages profonds et contournés, il l'appuyait contre son oreille. Et des heures entières, un vague sourire aux lèvres. Il écoutait au fond de la nacre enchantée bruire la mer éternelle. D'autres fois, avide de mouvement, il s'élançait et tout le jour se fatiguait en course folle à travers les bois et les vallées. Sa plus grande joie était de rencontrer le centaure Capanède, car celui-ci, séduit par sa gentillesse, lui proposait toujours de l'emmener avec lui. Brusquement, il l'enlevait de terre
et d'un seul coup l'installait sur sa large croupe. Alors, nouant ses petits bras au torse puissant du dieu, Yalis se laissait emporter. C'était de longs galops torrentueux à travers les plaines et les montagnes. Un vent rude frappait son visage. Les arbres du paysage semblaient courir avec lui. Le quadruple bruit des sabots retentissait sur la terre sonore. Un léger effroi suspendait son cœur, et quand tout à coup la course s'arrêtait, il battait des mains et riait aux éclats, les yeux brillants, les joues éclatantes, tout le sang ivre d'espace et de rapidité. Mais le plus souvent, un attrait mystérieux le ramenait vers les rivages de la mer. En sortant des forêts ténébreuses ou des vallées profondes, l'immense horizon tout à coup découvert l'envahissait d'une inexprimable allégresse. Tant d'espace entrait dans ses yeux que son âme lui en semblait comme élargie. Il buvait avidement l'air chargé de sel et, piaffant des sabots comme un jeune étalon, il entrait en frémissant dans les vagues. Un soir, qu'il s'était ainsi attardé sur la grève, il vit des sirènes. C'était par une nuit de plein été, tiède et crépusculaire. Du large, un chant s'éleva, étrange, irrésistible, triste. L'air devint étouffant et lourd, comme si, dans l'ombre, il pleuvait des roses. Les vagues s'allongèrent silencieusement sur le sable. Un grand frisson passa, et toute la mer sembla mourir. Les sirènes s'approchaient. Elles s'avancèrent jusqu'à la côte, et Yalis vit de tout près leurs visages. Surnaturellement belles et pâles, elles souriaient, la face renversée dans leurs cheveux. La douceur de les voir passait tout ce qu'il avait ressenti au monde. Lentement, avec la nuit, elles se retirèrent. Leur chant s'affaiblit, flotta longtemps encore dans la brise, s'éteignit. Et Yalis ne devait plus jamais les oublier. Il grandit, et les forces secrètes de l'âge le rapprochèrent des nymphes qui peuplaient les bois d'alentour. Sous l'aiguillon de l'antique désir, il s'émut des toisons rousses qui luisaient derrière les arbres, poursuivit les dryades qui riaient dans les feuilles, guetta les grasses naïades vautrées dans la terre molle autour des étangs et qui disparaissaient soudain dans un long cliquetis de roses entrechoquées. Fidèle à son origine, il apporta d'abord à ses jeux une fougue passionnée. Il connut les faciles étreintes, le mélange ardent des corps, les chairs foulées comme le raisin d'automne dans les cuves. Mais en de tels transports, le sang qu'il tenait de son père était seul satisfait, et il traînait, à travers ses rapides plaisirs, une âme inquiète et mal rassasiée. Pourtant, les nymphes lui étaient accueillantes, et plus d'une, le soir, rôdait vers lui. Milita était celle qui recherchait de préférence. Il aimait son rire clair comme le bruit des fontaines et sa grâce légère de jeune fan. Souvent, il lui apportait des coquillages, des plumes d'oiseaux rares, des fleurs cueillies tout en haut des montagnes, des rayons de miel dorés, et dans l'herbe odorante et chaude des après-midi,
il goûtait avidement le plaisir de son corps. Mais Milita différait trop peu de ses sœurs. Rieuse et brûlante, elle s'abandonnait à tous. Yalis voulut le lui reprocher, mais il sentit aussitôt qu'elle ne le comprenait point, et il cessa de se plaire avec elle. En même temps, un secret dégoût lui venait de ses jouissances. Leur monotonie pesait à son cœur, et vaguement anxieux, il implorait une caresse inconnue. Alors, parfois, il lui arrivait en chemin d'attirer brusquement à lui quelques roses lourdes, quelques lys violents, et d'y écraser éperdument sa bouche. Ou bien, il s'en allait vers la mer, et de loin, dans le vent nocturne, il respirait les sirènes, et il souffrait ainsi mystérieusement, car ses lèvres étaient solitaires. Souvent, il allait converser avec le sage Glaucos, le vieux porcher du fermier Lycophron. Il préférait ses graves entretiens aux bruyantes gaietés des satyres. Glaucos, qui possédait autrefois de grands biens dans la superbe Sidon, avait été pris par des pirates au cours d'un de ses longs voyages, et rien ne lui restait de ses anciennes richesses. À travers ses fortunes diverses, il s'était mieux connu, chargé de jours. Il amassait la sagesse, et les paroles inspirées coulaient comme une huile onctueuse sur sa barbe vénérable. Souvent, il disait à Yalis, « Oh, mon fils, j'ai beaucoup vécu, et j'ai appris que la première loi du monde est la conformité des êtres à leur destinée. Souvent, je pense à toi, l'âme qui regarde par tes yeux, n'est point celle d'un faune, et je crains qu'il ne t'en arrive malheur. Et vous, Glaucos, êtes-vous heureux ? Demanda Yalis. Ah, je le suis. Pourtant, étiez-vous né pour être le porcher du grossier Lycophron ? Oh, Yalis, tu ne peux comprendre encore. Certes, je fus autrefois riche et puissant, mais avant tout, j'étais né pour être libre dans ma pensée et dans mon cœur. Et jamais, jamais je ne le fus davantage que dans cette humble condition, où de l'aube au couchant, je m'appartiens tout entier. Glaucos excellait aussi à raconter l'histoire des dieux et des héros. Et le petit faune ne se lassait point de l'entendre. Sans cesse, il lui redemandait les mêmes récits. Le vieillard disait la naissance d'Apollon dans Délos la pierreuse, les larcins plaisants du fils de Maïa, la descente d'Aristée chez les Océanides dans les grottes merveilleuses de corail et d'émeraude. Les courses d'Io à travers l'Asie, Cypris couronné de violettes et porté sur une écume d'or, et les grands dieux oscurs à qui l'on sacrifie des agneaux blancs du haut de la poupe. Castor, dompteur de coursiers, et l'irréprochable Pollux, et leur sœur, la divine Hélène. Il disait aussi la terre généreuse, dispensatrice des douces richesses, l'océan, père des choses, le retour des saisons, les arbres féconds en fruits, les champs, les moissons, les troupeaux, les travaux du fer et du bois, et les belles cités qu'emplit le murmure des hommes. Yalis ne comprenait qu'imparfaitement les paroles du vieillard. Assis à terre à ses pieds, il l'interrogeait, lui faisait de timides questions. Glaucos répondait complaisamment. Les récits s'enchaînaient aux récits, et souvent,
la lune découpait leurs ombres immobiles sur l'herbe des prairies silencieuses. Mille pensées confuses s'éveillaient ainsi dans l'esprit du faune, et une pâle conscience se levait dans son âme, comme le premier rayon de l'aube qui court sur la cime argentée des vagues. À mesure qu'il grandissait, un instinct plus impérieux le poussait vers les habitations humaines. Dès l'aurore, il sortait de l'épaisseur des bois et s'en allait vers les campagnes où de métairie en métairie se répondaient les coqs sonores. À pas lents, il errait à travers les cultures qui paraient la terre de régulières couleurs, longeant les champs de maïs, de seigle, d'avoine. Il assistait de loin aux travaux des hommes. Parfois, glissant jusqu'aux limites des villages, il s'approchait de la demeure du forgeron, toujours retentissante du bruit des marteaux sur l'enclume. Il aimait surtout avoir ferré les chevaux, sur le sabot au lever, qu'il taillait d'abord à coups de ciseaux. L'ouvrier au bras nu appliquait avec des tenailles le fer rougi au feu. Une âcre vapeur de corne brûlée se répandait dans l'air et le cheval inquiet tournait la tête. D'autres fois, il s'arrêtait de loin devant l'atelier du potier et ses yeux ne pouvaient se détacher de la roue rapide où l'artisan formait à son gré de l'argile informe et docile des vases harmonieux. Mais rien n'égalait son émotion quand il pénétrait dans les temples. Ceux qui étaient consacrés aux Olympiens, à Apollon, à Diane, à Neptune, l'impressionnaient surtout. La majesté des proportions, la noblesse des pierres, le silence sacré des lieux, tout l'envahissait d'admiration. Quand, s'avançant jusqu'au fond du sanctuaire désert, où flottait encore après les sacrifices l'odeur des parfums brûlés, il apercevait, dressé dans la pénombre, la haute image de l'immortel, avec son visage de marbre et ses yeux de pierre précieuse. La stupeur frappait ses membres, sa poitrine haletait et il sentait avec un trouble magnifique descendre dans son âme l'âme supérieure des grands dieux. Ces jours-là, à l'heure où l'ombre des arbres s'allonge et où le soleil couchant invite les laboureurs à délier les bœufs, il restait longtemps, assis sur une borne, à voir les lumières s'allumer dans la vallée. Et c'était avec une indicible mélancolie qu'il regagnait des forêts pleines de ténèbres. La nuit. Il évitait les clairières où s'ébattaient les cœurs des chèvres-pieds et des satyres, et il passait vite devant les grottes obscures d'où s'échappaient des rires lascifs, parfois quelques dryades qui excitaient l'étrangeté fameuse de ses yeux d'azur, saisissaient son bras au passage, l'attiraient vers elle. Pendant un instant, les souffles de la nuit, la laine âcre de la lourde chevelure qui l'inondait, et aussi les conseils obscurs du sang, le faisait s'arrêter. Puis brusquement, il repoussait la dryade et, comme pris de honte, il courait laver à la fontaine voisine l'empreinte encore brûlante de ses doigts sur son bras. Alors, quittant les marécages impurs et les tièdes bas-fonds,
Il gagnait la montagne et s'avançait jusqu'à la pointe extrême du promontoire qui dominait au loin les flots. Là, s'étendant dans l'herbe froide de rosée, il renversait la tête. La nuit était auguste sur les hauteurs. Tout autour de lui, la voûte sombre du firmament s'arrondissait. En bas, sur la plage sablonneuse, la mer amenait et ramenait ses vagues avec un murmure puissant et monotone. Au-dessus de sa tête, les étoiles innombrables scintillaient, suspendues et comme prêtes à tomber dans ses yeux. L'âme de la terre maternelle et des cieux divins se confondaient en lui. Une extase magnanime gonflait son sein, et il vivait ainsi des heures inexprimables, silencieux, immobile et enivré. Vers cette époque, dans la saison heureuse où la terre est lourde de feuilles et de fleurs, errant un soir à travers un bois de sycomore qui entourait le temple de l'Atone, il aperçut derrière la haie fleurie d'un riant jardin Nysa la Blanche, la fille chérie de Xylaos, le vénérable prêtre d'Apollon. Debout, près d'une vasque de marbre écaillé et verdissante, elle jetait du pain à ses colombes. Les oiseaux familiers volaient autour d'elle, cherchaient les miettes jusque sous ses pieds, se posaient sur sa main, sur son épaule. Et Nysa s'avançait ainsi, un vague sourire aux lèvres, dans une douce palpitation d'ailes blanches. Yalis s'était arrêté brusquement, saisi par la merveille d'une beauté qu'il n'avait point soupçonnée encore. Nysa était vêtue d'une longue tunique safran, pâle, qui soulevait à peine au double renflement de ses jeunes seins, tombait à plis droit sur ses pieds chaussés de sandales bleues. Ses cheveux blonds comme l'avoine mûrissante, pressés sur son front d'une bandelette d'argent, coulaient en ondes égales au long de ses joues minces et se relevaient par derrière en un chignon haut dressé. Tout en elle était svelte et mélodieux. Sa petite tête se balançait sur un long col flexible. Une grâce légère et subtile comme un parfum était répandu dans tous ses mouvements. Dans sa façon d'abaisser lentement les paupières, il y avait une pudeur sacrée, et son sourire était suave comme une rose. Après avoir erré quelque temps dans le jardin et rafraîchi d'une eau pure ses fleurs languissantes, elle rentra lentement dans la maison. Quand elle eut disparu, Yalis eut l'impression que le jour perdait subitement tout son éclat. Et il demeura longtemps à la même place, le cœur étouffé jusqu'à la tristesse sous une sensation trop douce. Le lendemain et les jours suivants, il revint vers le jardin de Xylaos et, caché dans un buisson voisin, il épia la présence de Nysa. Presque chaque jour, il parvint à la voir. Tantôt assise près d'une corbeille pleine de laine de millet, aux éclatantes couleurs, elle brodait de riches tissus. Tantôt, elle pétrissait les gâteaux sacrés qu'elle parfumait du sucre rouge des baies de myrte. Tantôt, elle étendait sur l'herbe fine les linges éblouissants lavés à la rivière par les servantes. D'autres jours, et ce spectacle surtout ravissait Yalis, penchée vers la petite Calidis, la fille d'Agathoclès, le riche fermier voisin, elle lui enseignait les hymnes et les danses sacrées. Tenant l'enfant par les mains, elle lui faisait lever et abaisser les bras en cadence et décomposait l'entrelacement compliqué des pas.
Kalydis, inhabile encore, l'imitait. Ensemble, elles tournaient, d'abord lentement, puis plus vite. Le vent soulevait leurs tuniques légères derrière elles et découvrait leurs pieds emmêlés. Souvent, Kalydis, trahissant la mesure, s'arrêtait trop tard ou faisait un faux pas. Alors, un double rire remplissait le jardin de son éclat sonore. Yalis ne se rassasiait point de ses gracieux tableaux, et il maudissait souvent les passants dont l'approche soudaine le forçait à fuir. D'abord, il voulut garder en lui-même le secret de ses sentiments, mais il ne tarda pas à se trahir par d'inconscients aveux. Ses brusques rougeurs, ses yeux légèrement égarés, son excessive sauvagerie, ses allures insolites ne révélaient que trop la confusion de son âme. Et il répandait son cœur autour de lui, comme un enfant qui porte un vase trop plein. D'ailleurs, une force secrète le poussait à parler, et il ne put s'empêcher de confier son trouble au sage Glaucos. « Oh, mon fils !» lui dit le vieillard. « J'ai connu, moi aussi, la fièvre qui t'agite, et les femmes de Sidon ont reçu de moi de riches présents. Rien n'échappe sur la terre au pouvoir d'Eros, et ses traits les plus cruels sont ceux qu'il plante dans les cœurs magnanimes. Certes, je te vois sur une route pleine de dangers. Que ne te complais-tu parmi les nymphes? Jadis, tu me parlais de Milita. Maintenant, jamais plus son nom ne revient dans tes discours. Et comme Yalis ne répondait point, les yeux fixés au sol, « Ah, je le vois !» fit Glaucos en secouant la tête. « Tu les méprises à présent, ingrate enfant. Quel mortel te donnera plus de joie et se montrera aussi complaisante à tes désirs? Mais il faut que ta destinée s'accomplisse. Tu as vu la fille de Xylaos, et c'est par l'amour que tu monteras à la douleur. La voix du vieillard avait un tremblement solennel en prononçant ces dernières paroles. Et, prenant la tête d'Yalis entre ses mains, il fit descendre en lui un regard long et pénétrant, et, gravement, posa ses lèvres sur son front. À présent, Yalis sentait chaque jour des sentiments inexplicables s'éveiller en lui. Une conscience de lui-même lui venait. Au lieu d'appartenir tout entier aux impressions mobiles et changeantes des choses, il tissait entre le monde et lui les fils multiples de sa propre pensée, toujours occupé de Nisa, et il vivait au centre de lui-même comme la chenille fileuse dans sa coque dorée. Quand il pensait secrètement à elle, une langueur coulait dans ses membres, pénétrait ses os. Son âme était heureuse et ses lèvres spontanément souriaient comme une fleur s'ouvre. L'onde unie des mares l'attirait. Sans cesse, il éprouvait le besoin d'y refléter son visage. Mais en même temps, sa propre image, fidèlement renvoyée, lui causait un malaise indéfinissable. Brusquement, il se reculait et, d'un rameau violemment agité, il troublait jusqu'au fond l'eau mystérieuse. Au risque de se faire découvrir, il multipliait les occasions de revoir le jardin de Nisa. Même en son absence, la vue des lieux où elle passait sa vie lui était douce. Un soir qu'il s'était ainsi aventuré, il fut tout étonné de la trouver encore là, debout entre les colonnes du portique. Elle regardait la lune rose se lever au fond des vergers. Son père vénérable était assis près d'elle, sur le banc de marbre héréditaire, et respirait la fraîcheur du crépuscule, la joue appuyée sur sa main. Tous deux étaient silencieux, et l'on n'entendait d'autres bruits que le filet murmurant de la vasque et le cri intermittent d'un oiseau. Longtemps, il demeurait ainsi. Les ténèbres avaient noyé le jardin,
et les choses prenaient autour d'eux la solennité de l'ombre. Quand la lune arrivait au tiers de sa course, baigna tout l'horizon de sa molle clarté, doucement, sans effort, comme une barque qui s'éloigne de la rive, Nisa se mit à chanter. D'abord, sa voix trembla, incertaine et frêle, comme si elle allait se briser. Puis, peu à peu, elle se déroula en ondes plus amples pour s'élancer enfin, vibrante et pure, dans le silence étonné de la nuit. Yalis, fascinée, contemplait la Vierge. Un rayon bleu descendait sur elle et suivait son profil d'une ligne lumineuse. Ses bras et son cou semblaient de marbre. Dans son visage immobile, ses lèvres seules frémissaient. Et ses yeux, levés au ciel, nageaient comme dans une extase d'argent. Elle descendit le degré du seuil, s'avança, fit quelques pas dans le jardin. Yalis entendait le bruit imperceptible des petits graviers que sa tunique entraînait au passage, et chaque tintement des bracelets qui jouaient à ses poignets résonnait dans son propre cœur. Engourdi de bonheur, il ne songeait plus à rien. Tout à coup, Nisa, qui gagnait le fond de l'enclos, aperçut nettement découpée sur le sol l'ombre aiguë de ses cornes. En même temps, elle vit deux yeux briller dans l'ombre et saisie d'épouvante, elle poussa un grand cri et s'enfuit vers la maison. Yalis s'en revint, désespérée. Il comprenait maintenant qu'un abîme le séparait de la fille de Xylaos. Toute la nuit, il erra à travers les alliés. Des mains dans l'ombre déchiraient son cœur et les paroles de Glaucos, éclairées d'une étrange lumière, remontaient dans sa mémoire. « Tu as vu la fille de Xylaos, et c'est par l'amour que tu monteras à la douleur. » Il cherchait à arracher de son âme la pensée qui l'obsédait, mais ses efforts étaient vains. Et d'elle-même, ses idées retournaient à la souffrance. Il nourrissait maintenant son chagrin du meilleur de lui-même, s'exilant de préférence dans les lieux les plus sauvages. Là, des heures entières, avec un accent suppliant, il appelait « Nisa, Nisa ». Sa voix, plus sonore dans la solitude, semblait multiplier son désespoir. Et cette illusion dans sa détresse n'était pas sans charme. Un agneau abandonné, qu'il avait recueilli et qu'il aimait tendrement, l'accompagnait toujours dans ses courses. Sa présence animée et légère, car il s'écartait sans cesse et revenait en courant, la grâce familière avec laquelle il se dressait vers sa main, ses menus et bas détournaient un instant Yalis de sa tristesse. Parfois, quand son cœur débordait de peine, il le prenait dans ses bras, le serrait contre sa poitrine, pressait sur sa bouche la petite tête frisée aux yeux doux, et il se sentait un instant consolé. Un jour qu'étendu dans les bruyères roussies, il regardait au loin la mer sombre, brûlée au soleil. Hydragone, la magicienne, le touchait à l'épaule. Hydragone était fameuse entre les pythonisses. Elle pouvait par ses filtres détourner le cours des astres, faire émigrer l'âme des métaux, et ses enchantements commandaient aux ombres. « Que fais-tu là ?» lui dit-elle. « Ne le sais-tu point, toi qui connais toutes choses ?»« Certes, je le sais, mais Nisa, la fille de Xylaos, ne s'en doute guère. »« Oh, écoute !» s'écria-t-il. Et par pitié, explique-moi ce que j'éprouve. C'est comme un désir de ne plus sentir, de ne plus voir, de ne plus penser, de ne plus être moi-même enfin. Réponds, ne serait-ce
Ne serait-ce pas là ce que les hommes appellent la mort? Oh, Ithracon, ne pourrais-tu me procurer la mort? Et il leva vers elle une face lamentable où ses yeux enfoncés brûlaient comme des charbons. « En vérité, » fit-elle, « ce que tu demandes est impossible, car tu n'ignores point que le sang de l'Égypan coule dans tes veines et que c'est le sang immortel d'un dieu. Pourtant, tes philtres sont si puissants, » murmura le faune d'une voix suppliante. « Écoute, ta douleur m'a ému, et je veux bien tenter sur toi l'effet de mes enchantements. Auparavant, il faut t'engager à m'apporter quelque chose à quoi tu sois attaché. Tiens, cet agneau, par exemple. » Yalis tressaillit. La petite bête léchait doucement ses doigts. Je te l'apporterai, dit-il. En outre, sache que, pour attaquer ton essence divine, je serais obligé d'employer des poisons terribles. Yalis, tu souffriras horriblement. Qu'importe, je serai chez toi cette nuit. L'antre de la magicienne était situé au cœur de la montagne, tout au fond d'un cirque de roches aux formes monstrueuses. Des arbres vénéneux réfléchissaient dans une eau lourde et plate des ombres qu'on eût dites éternelles. Des vipères se tordaient dans l'herbe noire, grouillaient en nœuds, et des bêtes hideuses sortaient lentement de la mare et clapotaient dans la vase avec un bruit sec d'écailles en agitant des pattes multiples et velues. Une odeur de pourriture traînait dans l'air et la flamme de la torche haletait. Au milieu de la nuit, Yalis s'avança. Son visage était livide, mais ses yeux résolus brillaient d'un éclat insolite. Comme il allait franchir le seuil de la grotte, un grand oiseau chauve à face humaine, au ventre gras et rose, secoua deux ailes lourdes et poussiéreuses et l'appela trois fois par son nom. La pâleur d'Yalis devint effrayante et il s'arrêta, frissonnant. Mais Ithracon apparut et il n'osa point reculer. « Tu vois ?» lui dit-elle en lui montrant une cuve d'où sortaient d'épaisses fumées. « J'achève de préparer ton filtre. As-tu pensé à ce que je t'ai demandé ?» Yalis, sans répondre, tendit l'agneau. La magicienne le prit, l'étendit sur une pierre, la tête pendante au-dessus de la cuve, et saisit un large couteau. L'agneau bêla doucement, et Yalis ferma les yeux. Bientôt, une étrange vapeur se répandit, et la grotte tout entière devint rouge, du rouge magnifique et terrible du sang. Tiens, dit Ithracon en s'avançant vers le faune et elle lui présenta une coupe où fumait un liquide noirâtre. Or, ajouta-t-elle, écoute-moi bien et fixe mes paroles en ton esprit. Quand la lune prochaine aura à son tour accompli sa carrière, le même jour, à la même heure qu'aujourd'hui, tu mourras. Bois. Et Yalis prit la coupe et la vida. Mais aussitôt, il tomba à la renverse en poussant un cri effrayant. Il lui semblait que du feu venait de se répandre en lui, coulait dans ses veines, mordait ses fibres, attaquait ses os. Ses membres se contractaient, se tordaient, comme des brindilles sèches dans la flamme. Il se roulait à terre, s'arrachant avec les ongles des lambeaux de chair et des touffes de poils. Et sa souffrance paraissait si atroce qu'Ithracon elle-même en pâlissait. Brusquement, il se roidit, demeura immobile. Alors, la magicienne lui versa quelques gouttes subtiles. Il rouvrit les yeux, respira longuement, se leva. Comme un bois à l'aube où les oiseaux réveillés font entendre tous à la fois mille cris joyeux,
Son âme frémissait en tous sens, agitée de sentiments confus. Il fit quelques pas en tâtonnant. Ses mains rencontrèrent la dépouille de l'agneau, et il porta vivement à ses lèvres la laine tiède et bouclée. Alors, une sensation étrange monta du fond de son être, comme une lame irrésistible qui vient du large et court se briser sur le rivage. Sa poitrine se gonfla coup sur coup de soupirs saccadés, et soudain, de ses yeux brûlait une eau mystérieuse jaillit, tomba à larges gouttes sur son chagrin, comme une pluie rafraîchissante sur l'herbe fanée des prairies. Et, plein d'un étonnement délicieux, il murmura: les dieux ne connaissent pas la douceur de pleurer. À partir de ce jour, son existence se modifia singulièrement. La pensée qu'il ne porterait plus longtemps ses peines en atténua sensiblement l'acuité. Comme un homme placé sur le bord d'un fleuve en admire mieux le cours majestueux que celui qui nage au milieu du courant. Ainsi Alice, moins étroitement liée à la vie obscure des eaux et des bois, embrassait avec plus d'ampleur l'ordre et les lois du vaste univers, et tirait de sa contemplation des impressions plus profondes. À présent, le rythme éternel du monde, le cours silencieux des astres, la mer mobile et infinie, les feux argentés de la nuit succédant à l'éclat du jour, la beauté partout, tout éparse dans les êtres, depuis le hennissement des étalons cabrés jusqu'au vol effilé des hirondelles, tout l'emplissait d'un ravissement confus. En outre, le poison d'Hydragone, poursuivant sa marche sûre, attaquait sourdement ses forces, et son âme, moins nourrie des énergies du sang, s'inclinait avec une sympathie secrète vers les formes de la vie où il percevait un déclin. L'agonie d'un lent crépuscule, la fatigue d'une fleur qui se penchait entre ses doigts, propageait sur sa sensibilité plus fine des frémissements exquis, et il approfondissait chaque jour avec un charme plus nuancé le mystère émouvant de vivre. Comme il regardait de loin un soir un cortège de funérailles, la pâleur des femmes sous leurs longs voiles, l'éclat douloureux de leurs yeux, la lenteur morne des chants funèbres le prirent soudain d'une étreinte si doucement poignante qu'elle ressemblait à une volupté. Et il se dit, pensif: les dieux ne connaissent point la beauté de la mort. Cependant, plus que jamais, il songeait à la fille de Xylaos. Mais ses sentiments à cet égard s'étaient aussi transformés. La pensée que c'était à cause d'elle qu'il allait perdre la lumière et qu'il faisait ainsi le don même de son être illuminait en lui des profondeurs. Et par là, le regret de quitter la terre et la joie de souffrir pour Nysa formaient en son cœur un mélange d'une saveur triste et passionnée où il goûtait d'inexprimables douceurs. Cependant, la lune nouvelle était sur le point d'achever sa carrière, et le terme assigné par la magicienne était arrivé. Comme un homme qui part pour un long voyage rassemble ce qu'il doit emporter, Yalis passa la journée à évoquer dans sa mémoire les heures les plus chères. Il se souvenait de ses jeux puérils, des entretiens avec Glaucos, des dryades, des grands bois et de la mer, et des détails insignifiants remontant brusquement dans sa mémoire le touchaient plus que tout le reste. Il regarda le dernier soir tomber sur le jardin de Xylaos, sur le verger que bordait un rideau de peupliers à la cime d'argent, sur la vase qui est caillée et verdissante où les colombes se posaient pour s'envoler ensuite sur le toit, sur les allées de sable fin où s'imprimaient légèrement les pas légers de Nysa. Peu à peu les choses s'effacèrent, les derniers bruits du jour se firent plus espacés. La nuit était venue.
Là-bas, la maison dressait sa façade pâle et ses colonnes que reliaient des guirlandes de feuillage. Yalis franchit la haie et s'avança dans les ténèbres. L'odeur des fleurs qu'une pluie récente avait ranimées s'exhalait autour de lui, plus pénétrante. Et par moments, il s'arrêta pour respirer longuement. Comme il marchait ainsi, suspendant ses pas avec précaution, un objet qui le heurta du pied dans l'ombre faillit le faire trébucher. Il se baissa et reconnut la corde au poignet de buis que la petite Kalidis avait oubliée tout à l'heure. Et soudain, il se rappela les gentillesses de l'enfant, ses courses dans le jardin sous la corde agilement tournée, et sa joie bruyante quand Nisa consentait à jouer aussi, et la faisait danser avec elle, les bras noués à sa taille. Ce souvenir des heures lointaines l'atteignit au plus tendre de son cœur, et il appuya silencieusement sur ses lèvres les poignets de buis polis par les mains charmantes. Il était parvenu maintenant au portique, où les serviteurs dormaient. Il s'arrêta, un bras appuyé sur une colonne, et tendit le cou dans les ténèbres. Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine, et des gouttes de sueur coulaient lentement sur son torse et dans le creux de son dos. Il écouta. Des tourterelles près de lui se mirent à roucouler, puis se turent. Les feuillages du jardin remuèrent avec un long murmure. Alors, domptant l'hésitation qui faisait plier ses genoux, il franchit le seuil et se dirigea en tâtonnant vers une faible lumière qui filtrait entre des tentures rapprochées. Il écarta les draperies et pencha la tête. C'était la chambre de Nisa. Une lampe de cuivre en forme d'oiseau y répandait une pâle clarté. Au fond, sur un lit de cèdre incrusté de lames d'ivoire, la Vierge reposait. Yalis s'était avancée et la considérait. Devant ce front poli, devant ses yeux scellés par le sommeil, une émotion surnaturelle l'agitait et la chambre autour de lui s'emplissait de divinité. Alors, frissonnant et pâle, il se pencha sur ce visage et de tout près l'examina. Un sang rose et comme lumineux transparaissait sous l'épiderme. Les veines traçaient un lacis bleuâtre sur la cloison fine des tempes. Une mèche légère et que le moindre souffle faisait trembler, caressait la joue. D'imperceptibles frémissements passaient sur les traits immobiles, comme ces rides qu'une haleine d'été propage sur la surface unie des eaux. Et, par moments, l'ombre furtive d'une sensation tirait les lèvres, rapprochait les sourcils, fronçait les ailes du nez délicat. Mais ce qui faisait fondre le cœur d'Yalis, c'était l'ombre frangée des longs cils sur la joue. Et derrière, l'oreille bien ciselée, la lisière ambrée de la chevelure odorante et mystérieuse comme les forêts. À tenir ainsi sous son regard celle qui n'avait jamais approché jusque-là. Il éprouvait comme un vertige, et des espaces immenses de pensées apparaissaient, se succédaient en lui, comme aux yeux de l'aigle les paysages qu'il domine de son vol. Il s'inclina encore. Un souffle faible et pur passa sur son visage, et il frissonna. C'était la respiration de la Vierge endormie. À intervalles réguliers, sa blanche poitrine se soulevait, s'abaissait, et il semblait à Yalis qu'il s'unissait maintenant à elle, qu'il prenait une parcelle de l'âme divine répandue dans son corps, qu'il accordait le rythme de sa propre vie au rythme de la vie adorée. La bouche exquise s'entr'ouvrait dans l'ombre comme un fruit. Alors, poussé par l'irrésistible désir, il approcha ses lèvres, des lèvres de Nisa, le plus légèrement qu'il put,
jusqu'à les toucher sans qu'elle s'éveillât d'un contact presque immatériel. Puis, il resta ainsi immobile et ferma les yeux. Une infinie douceur coula dans ses membres. En même temps, il lui sembla que son cœur s'élargissait, devenait vaste, splendide et bleu comme le firmament des nuits d'été, et mille étoiles traçant en tous sens des courbes d'or y défaillaient. L'heure était venue. Le poison d'Hydragone avait atteint en lui les sources mêmes de l'être. Un froid glacé l'enveloppa. Comme une urne plongée dans l'eau, son âme s'emplit rapidement de croissantes ténèbres. Il poussa un long soupir. Et sa tête, toujours suspendue au souffle de la Vierge, glissa sans un bruit sur l'oreiller. Ainsi mourut d'amour Yalis de Mycalès, le petit faune aux yeux bleus. C'était Yalis, le petit faune aux yeux bleus, d'Albert Samain. En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre.